Un chameau passa. Qu'attends-tu, petite cigale? J'attends à me marier. Veux-tu m'épouser? Tu es belle et tes bijoux brillent. Que sais-tu faire, dit la cigale? Je fais rond, rat, rond. Va-t'en, va-t'en, dit la cigale. Tu es trop grand, trop gros pour moi. Tu me fais peur. Bonjour, j'espère que vous allez bien, chers élèves. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un conte. Il s'agit de la cigale et le rat. La cigale et le rat. La cigale voulait se marier. Elle lissa ses ailes, mit ses bijoux et se fit coiffer par sa mère. Puis elle s'installa devant la porte pour attendre un mari. Un chameau passa. Qu'attends-tu, petite cigale? J'attends un mari. Veux-tu m'épouser? Tu es belle et tes bijoux brillent. Que sais-tu faire, dit la cigale? Je fais rond, rat, rond. Va-t'en, va-t'en, dit la cigale. Tu es trop grand, trop gros pour moi. Tu me fais peur. Et le chameau s'en alla, tête basse, honteux et triste. Alors, mes chers élèves, un gros bœuf vint ensuite. Il s'approcha de la petite cigale et pose la même question. Veux-tu m'épouser, petite cigale? Elle pose la même question. Que sais-tu faire? Je fais me. Va-t'en, va-t'en, dit la cigale. Tu me fais peur avec tes grandes cornes et ta grosse voix. Et le bœuf s'en alla, tête basse, honteux et triste. Un âne vint passer. Il lui aussi demanda la même question. Veux-tu m'épouser, petite cigale? Veux-tu m'épouser? Que sais-tu faire? Je fais i, en, i, en. Va-t'en, va-t'en. Tu m'assourdis, dit la cigale. Et l'âne s'en alla aussi, tête basse, honteux et triste. Attendez, mes chers élèves, la suite de cette fable. Dans quelques instants, on passe aux activités de lecture. Les mots difficiles, les mots expliqués et quelques exercices. Alors écoutez, mes chers élèves, je vous propose les mots difficiles. Elle s'installa. Qu'attends-tu? Tes bijoux brillent. Tu m'assourdis. Elle s'installa. Qu'attends-tu? Tes bijoux brillent. Tu m'assourdis. On a le verbe s'installer, c'est un verbe pronominal. Il faut chercher le sens de s'installer. C'est quoi s'installer? Qu'attends-tu? Il faut chercher le mot attendre. C'est un verbe de troisième groupe. Attendre. Tes bijoux brillent. Que veut dire cette expression? Tes bijoux brillent. Qui c'est quoi briller? Et c'est quoi bijoux? Bijoux briller. Cherchez le mot bijoux briller. C'est quoi bijoux? C'est quoi briller? Tu m'attends? Il faut chercher le sens du verbe assourdir. Et tu m'assourdis, pardon, tu m'assourdis, il faut chercher le verbe assourdir. Assourdir. Elle s'installe, c'est le verbe s'installer. Qu'attends-tu sur le verbe attendre? Tes bijoux brillent, c'est le verbe briller. Tu m'assourdis, c'est le verbe assourdir. Les mots expliqués, premier mot. Première chose, la cigale est un insecte. La cigale, c'est quoi? C'est un insecte qui vit dans le sud de la France. Par exemple, elle fait entendre son chant quand il fait très chaud, surtout en été. La cigale, c'est quoi?
La cigale est un insecte qui vit dans le sud de la France. Elle fait entendre son chant quand il fait très chaud. Lisser, c'est rendre lisse. Assourdir, c'est rendre sourd. Je rappelle encore une fois, la cigale est un insecte qui vit dans le sud de la France. Elle fait entendre son chant quand il fait très chaud. Lisser, c'est rendre lisse. Assourdir, c'est rendre sourd. On voit ici des exercices variés. Phrases à reproduire de mémoire sous forme de rotodictée. Le chameau s'en alla, tête basse, honteux et triste. Copier et compléter. On a donc quatre phrases à remplir. Numéro 1, la cigale devant la porte pour. La cigale devant la porte pour. Numéro 2, elle trouva le chameau trop et trop. Numéro 3, le bœuf lui fait peur avec ses et ça. Il dit à l'âne, tu me. Il faut remplir bien sûr des vides ici. La cigale devant la porte pour. Le bœuf lui fait peur avec ses et ça. Elle dit à l'âne, tu me. Voilà, il faut chercher les expressions et les mots qui se trouvent surtout dans le texte. Répondez aux questions. Numéro 1, que fit la cigale pour être belle? Que fit la cigale pour être belle? Que sait faire le bœuf? Comment s'en alla-t-il? Quels sont les trois animaux qui voulaient épouser la cigale? Quels sont les trois animaux qui voulaient épouser la cigale? Je répète encore une fois les questions. Que fait la cigale pour être belle? Que sait faire le bœuf? Comment s'en alla-t-il? Et quels sont les trois animaux qui voulaient épouser la cigale? Il faut chercher surtout les réponses dans le texte. À la prochaine et attendez la suite de cette fable ou de ce conte. La cigale et le rat.